Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. Oui, c'est la suite, la dernière fois. Petit épisode tout tranquille, tout sympa. On a fait l'église de Bando. C'était sympa. On a battu un petit boss pas trop dur, même si le peu de magie que j'avais me faisait peur. Et on a terminé, et j'ai oublié de me soigner, génial. On a terminé là-dessus, sur cette église, où j'ai donné 2000 balles à cet homme pour qu'il me donne la Bible de Saint-Eva, cette fameuse Bible qui me permet d'apprendre tous les tenants, les aboutissants, les règles, clairement, de l'église de Saint-Eva sur ce que je dois faire, ne dois pas faire. Et c'est un objet qui me sert pour la vraie fin du jeu. Alors, je fais mes courses, hein. J'espère que ça vous plaît, hein, ces petits moments incroyables où j'oublie quelque chose. Est-ce que je peux au moins le retrouver, cet objet, parce que la dernière fois je ne l'ai vu nulle part, alors qu'il est juste, il est là-dedans, mais je peux pas l'utiliser, je peux rien faire. Non, va mourir. Je vais aussi en profiter pour poser de l'argent, parce que j'ai un peu trop de thunes, comme vous le voyez, hein, 25 000 balles, ça fait beaucoup. Hop, je vais en reprendre, et puis aussi des noix, parce que je n'ai pas assez de noix, et puis le reste ça va. Du coup, le temps de mettre ça à la banque, de dormir, petite sauvegarde, et puis on va aller tranquillement se faire le donjon. Ouais, je vais déposer les 20 000 balles, j'espère que ça va. On s'ennuie pas, hein. Moi je pense qu'on s'ennuie pas. J'ai déjà 34 000 sur ce compte. Tout va bien. Le farming intense paie. Tout ce qu'il faut retenir. Je continue encore un peu avec cette équipe. Et après, en off, je vais sûrement, très sûrement, aller pexer un petit peu les autres. Même si les zones commencent à être assez simples. Et l'expérience assez importante pour pouvoir augmenter de niveau. Alors normalement c'est juste là. Hop, petite save. Et nous allons donc aller à Saint-Évray. Ah oui, la dernière fois Kat nous a dit hey, est-ce que ça te gêne que je sois avec je sais plus qui, comment il s'appelle, avec PTSD guerrier des enfers. Donc je lui dis non mais écoute, tout va bien, fais ce que tu veux ma grande. Et il m'a dit oh, ok, mais TKT, je reviendrai plus tard, s'il te plaît, le jeu ne casse pas. Je sais même plus où est cette église. Et en fait je suis passé devant comme un trou. Comme un trou du cul. Génial. Donc cette Bible nous permet d'obtenir. Alors il y a un autre truc. Non, c'est un autre truc qu'on a obtenu. Qui nous permet que je dise pas de bêtises. Voilà. D'entrer et de sortir de Saint-Évray tranquille. Genre zéro problème. Donc nous voilà à Saint-Évray et pas Saint-Éva. Et on va directement se friter. Ah, je n'ai jamais été très populaire, mais depuis que je suis venu dans cette vie, j'ai une petite amie. Merci Saint-Eva. Ouais, t'es capté. C'était dans l'église, dans cette église-là, qu'il y avait un agent infiltré. Te souviens-tu des enseignements de Saint-Eva? Je les ai inscrits dans la paume de ma main. Ah, c'est une anti-sèche. Trop bien. Ah bah voilà, elle est là. Ah, les as-tu mémorisés? Ah, si tu peux pas réciter les enseignements de Saint-Eva à la grille, ah, ils te soupçonneront. Pépalec. Mais moi, je les connais pas. Clarisse essayait de deviner ce qui se passait à la grande église depuis cette pièce. Putain, mais nous ne pouvons plus faire voir sa lumière maintenant. On trompe dans la grande église. Voilà. Et j'ai activé un trigger. Je suis un trou du cul. Mais quoi? J'ai eu peur, je me suis dit, je suis pas déguisé quand même. Alors, les enseignements de Saint-Eva. Est-ce que je vais réussir? C'est une grande question, mais en commentaire, là, maintenant. Oh, père Manson.
Enfin, non. Oh, Père Manson, sont-ce de nouveaux croyants? Ouais, c'est le pouvoir de notre Dieu. Bonjour, ma sœur. Que Saint-Eva te protège. Amen. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas Saint-Eva. Je suis sûr que vous n'êtes pas l'un d'eux. Mais juste au cas où... Putain, l'un d'eux. Oh, la faute. Veuillez me réciter les enseignements de Saint-Eva. Prêt ? Les voici. Le dieu Saint-Eva et ses enfants résisteront au temps et aux événements. Les voix de nos croyants franchiront les ténèbres. La chanson. Toutes nos pensées seront réunies en une seule. Ah, l'espoir apportera la paix dans le cœur. Petit point d'interrogation. Renonce à l'égoïsme et prie. Deviendra l'amour le sans limite de notre Dieu. Je crois. Je suis pas sûr. N'aime que notre Dieu. Abandonne ta haine. Oh, ça va être moi, j'ai oublié. Entre les bribes des ténèbres, nous voyons notre Dieu. Y a-t-il une suite? Que dois-je faire? Oh, j'ai déjà récité tous les enseignements de Saint-Eva. Oh, c'est bon, je suis sûr que vous êtes tous des croyants. Vous en priez, entre... Oh, oui! Je dois vous poser une simple question. Quel est le vrai nom du dieu de Saint-Eva? Evans? Oui, son vrai nom est évidemment Evans. Parce que c'est la Bible, Evans. Hein, c'est vrai. Evans, Eva. Tu comprends? Je suis l'église de Saint-Eva et je vais me faire niquer, mais... Non. Alors attention. Je vais pas aller dans la salle en haut. Hein, ça va, je connais. Mais très belle musique. Je peux pas dire, la musique est superbe. Ok. Donc là, il y aura sans doute un souterrain, je pense. Il y aura sans doute un souterrain qui mène à deux cellules. Donc... possible que je me fasse emprisonner ou quelqu'un. Si la musique des combats sont sur cet orgue là, je serais très heureux. Ah, c'est la messe. Le fondateur de Saint-Eva, Ubulk, est sur le point de faire un sermon. Ah, nous allons tout d'abord écouter son histoire. Ensuite, si nous y parvenons, nous attraperons Ubulk. Nous sommes sur le point de révéler la méchanceté de cette religion. J'ai très mal. Et là, ça va être compliqué. Laissez-moi voir. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis sûr que Saint-Eva est très heureux d'avoir tous ces véritables croyants réunis ici même. J'arrive pas à faire le dieu. Maintenant, comme d'habitude, j'ai un message de Saint-Eva. Me parle. Saint-Eva a dit ceci. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Ces gens sont possédés par le diable. Et en ce moment même, il y a un non-croyant parmi nous. Est-ce que tu penses qu'il nous parle de nous? Chut, silence. J'ai suivi les paroles de notre dieu, je change de voix, Malek. Et j'ai trouvé cet infidèle. J'ai trouvé cette personne diabolique cachée dans cette ville. Mesdames et messieurs, regardez, voici la personne possédée par le diable. La religion a pris cher. Cette femme accomplissait la besogne du diable et d'essayer de détruire notre Dieu. Mais, comme vous pouvez le constater, elle est impuissante devant notre Dieu. Oh, tu en as! Merde, tu en as!
référence pour ceux qui l'ont. Mort au diable! Mort au diable! Sorcière! Pas qu'elle fait son outilla! Clarisse l'a tué! Merde! Oh, ça dit merde! Tchola! 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 Mort au diable! Grateful, professionnel, merci. Mon mail de pro. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas céder à un sentiment de haine, peu importe combien diabolique puisse-t-elle être. Je vais lui enseigner le chemin de Saint-Eva et tenter de changer son cœur. Tel un jeu qui sortira plus tard. Chez Square Enix, la confiance. Tout d'abord, quel est ton nom? Oh, tu refuses de nous donner? Très bien. Eh ben, je m'en vais. Tu ne veux pas nous le révéler, alors je vais te le dire. Clarisse! Non, je... Comment connaissez-vous mon nom? Les pouvoirs de Dieu, Clarisse. Je peux lire tes pensées, telle une autre référence qui sortira sur une console concurrente. J'ai mal à la gorge, au secours. Mettez un pouce bleu pour la gorge. Tu es membre d'un groupe qui lutte contre Saint-Eva. Tu étais caché dans le village des vrais afin d'observer ce qui se passait à la grande église. N'est-ce pas la vérité, Clarisse? N'essaie pas de me fermer ton cœur, Clarisse. Plus tu essaieras de le cacher, plus ta volonté nous révélera la vérité. La cachotte de votre organisation est... Oh, dans cette montagne. Et votre chef, son nom est Tiga. Stop! Sortez de mon esprit! Je ne peux pas, Clarisse. Nous devons complètement réveiller ton cœur. Et le nettoyer de l'esprit du démon. Ne serait-ce pas gentil si Tiga, celui que tu aimes, venait te sauver? Prends-lui des révélations. Clarisse? Mais cela n'arrivera pas, peu importe combien tu l'aimes. Des révélations. Tu es seulement sa subordonnée. Il ne risquera pas ta vie pour sauver une subordonnée. Moi j'aurais dit un sous-fifre. Même si je dois mourir ici, Tiga vous vaincra. Que faisons-nous, Tiga? Souvenir de la guerre. Tiens, je ne peux pas te pousser. Tu vas sauver Clarisse? Nous allons tous. Non, c'est un piège. Les gars, ils utilisent Clarisse comme un appât pour nous faire sortir. Alors je recèle. Car je suis un héros. Tu sais ce qui est arrivé, pourquoi? Elle n'est pas une subordonnée pour moi. Tain, je veux juste réaliser que je suis amoureux de Clarisse. Ah, le sentiment. Et crois-moi, je peux pas laisser tomber Kat. Alors que toi, je t'ai rencontré que hier. Je suis désolé, Ryu. C'est à toi de décider dorénavant. Quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Ah non, tu me donnes le commandement, ok. J'ai mal à la voix. Arrête, Bulk! Bien, bien. Tu dois être Tiga, merveilleux. Comment ça, merveilleux? Tu veux la guerre? Votre dieu prend plaisir à torturer les femmes? Vous êtes ignoble! Oh mon dieu, la disparition ninja! C'est merveilleux, Tiga! Es-tu venu seul? Oui, je vais vous tuer! Oh, cette disparition. Tu ne peux me vaincre, Tiga. Si l'un des amis de Tiga est parmi nous, qu'il vous regarde attentivement ce qui va arriver lorsque vous défiez notre dieu et ses pouvoirs. Félicitations, Clarisse! Tiga est venu te sauver! Ah, je vais vous envoyer tous les dieux, tous les deux, auprès de Saint-Eva. Maintenant, Tiga, je vais m'occuper de toi puisque tu as eu la bravoure de venir ici seul. Merde! Ouh! Non, Tiga!
Clarisse, rejoins-le. Oh, comme elle a levé le... Ah oui, d'ailleurs. La chute. Mesdames et messieurs, ceci est le pouvoir de Dieu. La punition de Dieu envers le démon est sans pitié. Eh ben, d'accord. Eh ben, ils sont morts. La mort. Ces personnes diaboliques ne sont plus désormais. Prions les âmes blessées. Le Dieu de Saint-Eva et ses enfants franchiront le temps et les événements. Amen. Et j'ai mal à la gorge. Pause, petite pause. C'est bon, je suis bien. Tiga était si brave. Tiga avait raison, nous ne sommes pas méchants. Nous sommes les gentils. Le problème vient de Saint-Eva, n'est-ce pas, Rio? Oui. C'est-à-dire qu'à quel moment t'as... À quel moment, vraie question. À quel moment une religion se dit « Bon, les mecs, dans notre document sacré, on va mettre en gras une ligne à un moment dans une page. Si t'es pas d'accord avec notre Dieu, tu meurs. » Comment? Qu'est-ce qui se passe? Mettez vos avis en commentaire pour le référencement. Ryu, allons-y, attrapons-les! Oui! Ah, d'accord. Alors, Nina. Kat. Stan. C'est bon. C'est bon. Attends. Ah non, changez, attendez. L'ordre. Manuel, Otto. Toi, tu vas là et de là à là-bas. C'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Oh, je peux me casser. Oh, wesh. Vas-y, et si je me casse, il se passe quoi en vrai? J'arrive. Bonjour. Les voix de nos croyants traverseront les ténèbres. C'est la fin des prières pour aujourd'hui. Ah bah d'accord. Nous rassemblerons toutes nos pensées en une seule. Nos espoirs apaiseront nos cœurs. Oui, bah c'est bon. Arrêtez les gars. Oh non, il s'enfuit à droite. Je vais à gauche. Mais je m'en fous de vos religions. Y a quoi ici? Et là, je suis où? La messe. Trop bien. Êtes-vous des amis de Tiga? Ou êtes-vous le démon qui a poussé Tiga à faire ce qu'il a fait? Saint-Eva a beaucoup de cœur. Il pardonne ceux qui croient en Dieu et prient de tout leur cœur. Mais vous allez être punis par Dieu. Oh mais dis donc. Ray, montre-leur la force de notre Dieu. Oui, Père Bulk. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, Ray, c'est une personne que j'ai aidée tout au début. Mais vraiment tout au début. Vous avez excédé la limite du pardon? Il n'y a plus rien à ajouter. Je dois obéir à Saint-Eva et vous punir. Ryu, je pensais que nous nous comprenions, mais le but semble être différent. Mais voici, Ryu. Ceci est le pouvoir le plus puissant. Eh bah, t'es moche! Voilà. Alors. Attaque. Attaque. Flamme. Froid. Voilà. Coup critique. Un, pardon, un. J'ai pas bien vu. Excusez-moi. Un. D'accord, très bien. À quel moment? Ok, donc il y a que des sorts qui ont fonctionné. Et bah c'est génial tout ça. Montre ton pouvoir! Ah là là, j'ai mal! Ah, ok, donc vraiment, pas d'armes. Eh ben, je vais te montrer mon pouvoir à base de glace!
elle va rien faire, je pars attaquer Sten. Des petites bombes, hein, et puis Nina continue avec froid. Bon bah, là du coup, les armes ne servent à rien. Voilà, ça fait 1. 1. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce combat? Oh bah si j'arrive à lui mettre au moins 150 de dégâts. Bah non, il est con. Mais m'attaque pas. Voilà, je vais faire un dragon, point. Bon, 256, hein, ça me paraît pas mal. Et bah du coup, Kat, elle va bourrer les... où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont mes trucs de cuit? Non, dégage. Où sont mon cuit? Donc je vais me faire foutre, très bien. J'étais sûr d'avoir pris des trucs de cuit. Est-ce que je les aurais pas oubliés? Ouais, franchement. Non mais en vrai, qui a mes cuits? Ah mes noix, je les avais pas rangés, d'accord. Je les avais pas rangés, c'est ma faute. C'est entièrement ma faute, donc petite peur. Alors il y a un moment où je vais peut-être me soigner Ryu. Pourquoi ça a changé? Pourquoi je me suis pris 20 de dégâts par contre? Expliquez-moi. Oh, petit critique. Tout ce que j'ai. Ah oui, merde. Ah là, c'est pas bon. Ah là, c'est ouf. Ouch. Aïe. Arg. C'est scripté. C'est scripté. Oh, j'ai un nouveau sort, le Kaiser. Et donc là, Kat, tu vas utiliser cet objet qui ne me servait à rien jusque là. Elle est où? Je vous jure, je l'avais. Restore 120 PV à tous. Elina, bon bah petit sort. Hein, Ah bah non, du coup, non, idiot. Toi. Tu vas faire un soin sur Ryu. Sten va faire une bombe. Et Nina. Voilà. Parce que Nina, c'est elle qui va utiliser le ça. C'était 4 depuis le début. Je vais me faire du mal. Je sais même plus où est-ce que j'ai eu cet objet. Mais voilà. Full life. Bombe. Et l'attaque spéciale. De toute façon, Ryu est vivant. Il semblait que j'avais plus de points de vie que ça, par contre. C'était scripté. Afin de réveiller les pouvoirs du dragon, l'attaque doit être une force égale. Ma force va devenir la force de Ryu pour vaincre Saint-Eva. Daisy, attends là-haut. J'avais tort. Mais depuis que le père Ubulk s'est occupé de moi lorsque j'étais un orphelin, seul dieu que j'ai connu est Saint-Eva. Je sais que Saint-Eva ne peut être pardonné juste parce que je meurs. Ryu, je t'en prie, bâtis un monde où il y a un dieu en qui l'on puisse réellement croire. Ça veut peut-être dire que l'affinité est au maximum quand c'est arc-en-ciel. Tristesse. Et voilà, point. Alors, du coup, fais voir mon sort de Dr. Kaiser. Alors avant de continuer, pour des raisons évidentes que vous allez sans doute comprendre, va y avoir un cut pour me soigner
pour acheter de la bouffe. C'est tout. À moins que le chemin soit bloqué. Non, ça va, le jeu est très gentil. Donc du coup, un petit cut et je vous reviens tout de suite. Et je remonte, incroyable transition, où j'ai pu faire quelques courses et me soigner. J'ai repris un maximum de noix IQ et j'ai fait une petite sauvegarde. Très importante, cette petite sauvegarde. Très très utile surtout. Bon, du coup... Oui, on sait. Ah là là, Saint-Eva, c'est trop bien. Mais du coup... Le docteur... Alors, le DR Kaiser, Dragon Kaiser, je me suis fait la réflexion. Il aura fallu attendre 3/4 du jeu pour enfin avoir un vrai dragon qui pue la classe. Et ça, c'est un donjon, monsieur, dame. À moins que ce soit fait exprès, genre, l'attention. Non, c'est un donjon. Avec des garde-rois et ces saloperies ont énormément d'agilité. Et j'aime pas ça. Je déteste ça. Ça a de la vie en plus, ces trucs que j'avais zappé. Oh, oh là là, oh, c'est ennuyant. Heureusement que j'ai un maximum d'objets de soins. Donc là, le Dragon Kaiser, c'est à claquer à chaque début de boss. Clairement. Non mais c'est n'importe quoi. Putain, mais respectez-moi. Est-ce que je lui ai donné un nouveau bâton à 4, je sais plus. Alors que Stan est 31. J'ai des révélations là. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je l'ai pas fait? Ouais, surtout. Bon, bah... je pense que la question, elle est répondue, comme dirait certaines personnes. Donc maintenant, Kat est à 200 d'attaque. Tout va bien. Est-ce qu'elle peut one-shot? J'espère. Ah, des gens que je connais pas. Donc, tous sur le croisé. J'ai fait automatique. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Automatique, tu peux pas l'enlever en plus. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, je vais peut-être mourir. Voilà, là, j'ai ripé. Mais alors, bon rip. DVD rip. Voilà. Bon, le petit... Ah non, c'est bon, c'est que pour un tour. Bon, bah... j'estime que c'est terminé, hein. Bon, un d'attaque. Pas mal d'XP. Pas mal d'XP, ouais. Alors que je souffre. Oh, il y a deux étages. Oh, il y a un prisonnier. Oh mon dieu. Ah non, c'est le mid-boss. Ou le boss, au choix. Attaque surprise. Mais ça tombe bien. Je voulais pas vous voir. C'est fou. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que Ray vous connaît? Oh, j'ai trouvé ce garçon et je l'ai élevé. Mais il était indigne. Ah mon dieu! Bon. Nina presse l'interrupteur. Trop bien. J'ai le choix ou j'ai pas le choix? J'estime que j'ai pas le choix. Aïe. Ça picouille. Aïe, ça me fait mal. Ça t'est. Mais c'est pas vrai ça. Et s'il m'emmerde. Dégage. Comment ça se fait que Ryu n'a pas d'agilité? Il attaque en dernier, ça me convient pas ça. Ça me convient pas du tout. Par contre, 9000 d'XP, j'avoue que ça me convient. Putain, mais la pauvre Kat, là, qui s'est pris tellement dans les dents. Ta mère a été enlevée. Ah, mais c'est Daisy. Ouais, mon imbécile, la fille.
Oh merde. Bon, je switch de personnage et je reviens. Je peux tomber, s'il vous plaît. Non mais j'aimerais en finir vite. Oh là là, mais quel idiot. Je peux pas tomber. Oh là là. Je peux pas me. J'ai pas un sort. Si. Merci. Ah merci. Ça va aller vite. Je change. Je vais changer l'end avec avec Sten. Ouais. Puis ce sera bien. Oh mais il y avait une petite auberge là, j'avais pas vu. Bah trop bien. Bah je vais dormir. Bon, que voulez-vous dit du dragon? Changer. Alors. 4. Non, rien. Nina et Lend. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Oh, espèce d'idiot que je suis. J'espère que ça va aller vite la remontée. J'ai tout fait n'importe comment. Mais en même temps, comment je pouvais deviner? Alors du coup, Lend, on va l'avancer. Encore un peu. Et roule la boule. Voilà. Ah ouais, c'était juste pour ça. Moi, je... Il m'en faut... Non. Toujours pas. Ouais, mais non, mais vous comprenez pas, c'est fait exprès. C'est en fait pour rentrer des données négatives dans la consonance. Excuse-moi, moi je n'assume pas. J'assume zéro de ce que je viens de faire. Mais comme il faut garder une trace d'incompétence, au moins dans chaque épisode, la voilà. L'incompétence précise. Non, même. Sur un combat, nul. Ah oui, j'avais dit que je couperais, mais finalement. Non. Mais comment je pouvais savoir? Combien de personnes se sont fait avoir et ont perdu au moins 10 minutes là-dessus? Allez, on va au moins essayer de terminer. Au moins d'avoir un vrai boss. Hein? Parce que Ray, c'était scripté, ça se voyait. Ça se sentait, surtout. Au moins j'ai un vrai dragon dans mon arsenal de coups. C'est-à-dire que j'ai des petits dragons. Mais c'est pas très très fort. Mais là après j'ai un vrai dragon à 999 de dégâts. Ce qui est le maximum de chaque jeu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors ça je n'aime pas non plus. Oh là là mais Kat, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es aussi... Pardon. C'est vrai que ces trucs, ça... Tellement de défense et pas de points de vie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah soignez-vous, vous avez raison. Tiens, c'est bien, ça, un petit soin. Ouah, deux. Trop bien. Yeah, Nina 34. Alors, objet. Je vais remettre des noix sur l'end quand même. Voilà. En termes de soins, pas de choin. Je suis assez large. Normalement, s'il y a un combat de boss, je peux tenir. Normalement. Si tout va bien. Évidemment. Aurais-je dû faire ça? Je ne sais plus. Je ne crois pas.
croire que c'était pas une bonne idée. Double défense X. Génial! Allez, maintenant ça met aucun dégât. Pas parfait. Allez, tu m'attaques pas et tout se passera bien. Bon, bah finalement, tout se passe mal. Allez, Elka, tu peux le faire. Merci. Bonne zone de farm, ça aussi. Allez, on y croit. Faut aller voir maman. Et peut-être que ça va nous débloquer un truc. Ce mur est sur le point de s'écrouler. Ta force de brute pourrait probablement l'abattre. C'était un mur. C'était un mur. J'avais mal vu. Ouais, mais non. Mais non, j'ai pas envie. Beau travail, abruti. Oh, la seule chose que tu as toujours eu, une tête très très dure. Mais comment tu parles à ton fils? Maman, je suis venu te sauver. Est-ce que t'es obligé de continuer à m'appeler abruti? Je t'écouterai de plainte plus tard. Pour l'instant, on va à la poursuite des méchants. Ah, mais moi, je plains les gens avec le... Qu'est-ce que... Ok, alors, pour des raisons évidentes, d'évidence, je vais prendre les coffres. Voilà. C'est des raisons et, qui me semblent simples à comprendre. Sauf si je me prends des critiques. Ce qui a l'air d'être le cas sur ces mobs. Et ça m'énerve. Beaucoup. Comment, à quel moment il y a des critiques comme ça qui tombent? Nina. Bah non, mais Nina, mais Nina, t'as un sort, utilise-le. Bon bah Nina, utilise le sort s'il te plaît. Mais à quel moment ils ont dit les critiques? Non mais on va aller. Eh hey, rien, une armure? Oui, c'est une armure qui moi mais ah non, c'est un bouclier qui n'est pas très utile. Pas très utile. Inutile. Non mais je sais pas. C'était pas une très très bonne idée cette armure. Ah ça y est, c'est commence à me dire attention, attention, tu vas peut-être perdre de la vie. Attention. Oh, tu as perdu des points de magie. Dommage. Ça commence à me faire des petits coups comme ça. Là, ça commence à être un peu compliqué et je vais possiblement pas m'en remettre. On va changer l'ordre. Donc, Kat, tu vas la changer avec Len. Voilà, ça me paraît bien. C'est absolument pas du tout machiste ou quoi, mais c'est juste que vous n'avez pas assez de vie. Bah, c'est tout. La raison elle est toute simple. Hein. Tu meurs beaucoup. Et j'aime pas bien ça. Alors nous on les assassins en premier parce que trop de critiques. Beaucoup trop. Parce que sinon en vrai ça va. Hein. Je peux survivre. Voilà, ça par contre, non. Je suis pas d'accord. Ça c'est non monsieur. Mais il va mourir, il sert à rien ton écran. Mais j'ai claqué un critique pour ça. Abrutiman. Voilà, meurs douloureusement d'ailleurs, si tu pouvais. Esquive, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, magnifique critique. Quand est-ce que je trouve une arme pour toi d'ailleurs, l'homme? Ce serait bien. Ce serait très bienvenu. Je crois que t'es le seul qui n'ait pas changé d'arme depuis très longtemps. Et quand je dis très longtemps, ça fait ouais un bon 7-8 heures de jeu. Mais pour 1000 balles. Même pour 1000 balles, je viens pas en fait. Alors ils bougent pas, les assassins ne bougent pas, est-ce que c'est normal? Ouais.
Bon, défense moins. Je suis pas plus impressionné. Je sais plus pourquoi. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Bah, 4, écoute, prochain tour, t'attaques pas. Hein? Ah là, Nina, et bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser un soin. Non, rends-toi utile avec ton agilité. Je crois un peu moins mes chances de réussite là. Bah voilà, un petit 89. Par contre, je crois que c'est Ryu qui a terminé. Voilà, et ça, c'est toujours pas la bonne chose à faire. Quand c'est Ryu qui termine un mob. Ah, mais du coup, Nina est la deuxième à attaquer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un peu plus d'agilité. Soin 4. C'est possible, soin 4. Ça rend combien de points de vie, soin 4? En vrai, allez. Si soin 1, ça rend 40, soin 2, 100, soin 3, 150. Et ouais, soin 4, on serait pas loin des 200 points de vie. Peut-être même un peu au-dessus. Mais quand même, ça pique. 4, 32, c'est bien, ça level up. C'est ça que je veux. Alors du coup... Comme je sais toujours pas si c'est la fin, et ben on va se remettre de la magie et de la vie. Allez, on se dit que c'est la fin. Non, toujours pas. Oh là là, que ça m'énerve. Oh, puis c'est ça. Oh, oui, cassez-vous, casse-toi, toi et toute ta famille. Comment ça me gavait ce donjon là, Non, je suis pas bien. Ah ouais, donc tout ça pour rien. Je connaissais pas ça, cette méthode. Franchement, vous devrez l'apprendre à d'autres personnes. Une grande pièce avec juste un mur. Et 3 mètres après, un escalier. Le reste, du vide. C'est concept. Je peux pas comprendre. Justement, je ne veux pas comprendre, écoute. Tant mieux si toi t'aimes ça, mais pas moi. Mais en tout cas, ça fait l'XP. Voilà, j'essaie de trouver des bons points. Allez, zblu. Ah. Je ne peux pas abattre tous les murs aussi facilement. Tout ce que j'ai, ma force de brute. Oh, tu vas pas me faire... Tu vas pas remettre en question ta vie. Quelque chose ne semble pas tourner rond. Je ferais mieux de me dépêcher. Pardon ? Pardon ? Oh, j'ai fait une bêtise. Pas de panique. Je n'ai pas encore mort. Je vais retirer ça. Ah, c'est tellement lourd. Stop, tu vas aussi te faire prendre. Trop de révélations, les longues, dans cet épisode. Oh, on dirait bien que c'est la fin pour moi. Ayo,
merci pour tout, nous avons passé de bons moments. La suite est pour toi. Les gars, attrapez-le pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Continuez de laisser pas Bulk s'enfuir. S'il vous plaît, partez. Je veux pas mourir devant vous. C'est beau. Je perds mes forces. Je crois que c'est la fin. Ah, si j'étais un faible, je serais mort plus facilement. D'où tu sors? Maman! Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Pas le temps de jouer, enfant stupide! C'est dangereux! N'approche pas! Pitoyable! Tu peux pas le faire basculer! J'atteins mes limites! Recule! Vite! Hein? Mon fils veut pas mourir comme ça! Et écoute! Je vais t'aider. Nous allons pousser cette chose tous les deux. Maman, gaspille pas ton souffle. Prêt? 1, 2 et 3. J'y arrive pas. Je suis désolé, maman. J'ai plus de force. S'il te plaît, sors ici pendant qu'il en a encore temps. Maman! Je n'y arrive pas! Qu'est-ce que tu fais? Enfant stupide! Va vite! Tu l'auras toujours écouté! Ta mère! Il te reste des choses à faire, non? Va! Depuis tes proches, alors ne déçois pas! Et écoute ta mère! C'est vrai, t'es un bon garçon! Oh, c'est beau! Oh, quel sacrifice d'une mère pour son fils. Oh, ça va chier les bulles. Oh, ça va chier les bulles. Et j'ai pas vu sa mère arriver. Je suis toujours en vie. En route, je dois l'attraper. Je ne laisserai pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Et j'ai mal à la gorge encore une fois. Je suis en train de cracher mes tripes, c'est horrible. Heureusement que je peux couper le micro. Alors là, je sens la baiserie. La furie. Ah, la phalange! Furie! Wildland! C'est ton moment de passer à Spus. Le set d'attaque. Et. Plus 7 d'attaque. Plus 7 d'attaque. Je redis pour que. Déjà pour me le faire rentrer et me dire pourquoi. Qui est pourquoi? Plus 7. C'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. On va rester là-dessus. Donc du coup, j'espère qu'après cet étage, combat de boss et ça va casser les culs. Mais épisode vachement avec beaucoup d'émotion quand même. Ah, il y a 3 morts. Franchement, le quota, il est bien rempli. Pas free post. Et je crois que je vais arrêter de... Je vais me calmer la voix après. Ah. Oui, 9000 XP, trop bien. Bon, là, par contre, j'ai plus beaucoup d'objets de soins. Donc, j'espère... que c'est fini. Oui, c'est fini. Alors du coup, je suis où? Je vois des trucs qui me plaisent pas. Gagné. Oh, vous êtes tous. Ah, vous n'arriverez pas à rien me poursuivre comme cela. Voulez-vous abandonner maintenant? Il se passe quoi si je dis oui? Il se passe quoi si je dis oui? Vous ne le saurez pas, sauf si vous faites une partie. Il n'est pas encore temps pour moi de me battre avec vous. Ils se battront à ma place.
Non. Enfin non, c'est des archers. Je comprends pas bien. Je suis pas sûr de comprendre. Quoi? Tu demandes à des monstres de me battre? Je comprends pas. Ah, vous êtes ennuyeux. Cessez de me suivre. Faites de votre mieux et laissez-le vous battre. C'est exactement le... Non, mais je cherche. Je cherche. Je comprends pas bien. Ah, il y a un 2-8. Ah, bah là, je comprends mieux. Du coup, si tu pouvais me laisser un tour. Pour me soigner trop tard. Je suis pas bien sûr de comprendre. Ah bah ouais, fuis, laisse-moi un tour pour me soigner. S'il te plaît. Oh, j'ai tellement plus de soins. C'est inacceptable. Vite, la course poursuite. Ah là là. Ah là là, ça va vite. Je l'ai perdu de vue. Ah là là, vite. Salut. Vous êtes têtu, vous voulez vraiment m'affronter? Bien alors, je dois vous affronter. Mais à condition que vous teniez le rythme. Contre moi. Nagagagaga, je suis un... So much rebondissement, mais cet épisode va être très très long par contre, ça va m'énerver. Pardon? Pardon? Comment ça c'est pas... comment vous dire? Maintenant, je sais où mène cet endroit. Ce que je vais faire... Voilà ce que je vais faire. On va couper la vidéo. Je vais m'arrêter là, je vais faire une pause, je vais continuer après. Et si jamais la deuxième partie est pas trop longue, je la rajouterai. Si elle est trop longue, ce sera un épisode à part entière. Mais là, je sais où ça va me mener si je remonte. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a un escalier. Il n'y a pas d'escalier. Si, il y a un escalier. Donc là, j'ai obtenu une robe irisée que je vais m'équiper sur peut-être Nina. Armure. Voilà, Nina... plus de défense, ce sera utile. Non, mais devant les escaliers. Ok. Alors, mourez. Voilà, j'ai un seul mot, c'est mourez. Point. Et paf, la pastèque. Un 936, un petit peu moins de puissance. Putain, mais sérieusement, quoi? Oh, ça, et vous m'énervez franchement beaucoup. Voilà, on va faire ça. Attention. Paf! Sortie magique. Ouah, je sors. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. C'est pour cela que j'ai refait tout le passage et j'ai pu débloquer une des sorties. Donc, c'est bien ce que je pensais. J'ai gardé mon équipe, je me suis soigné, j'ai repris de la bouffe, j'ai déposé des objets. Et on va continuer. Parce que c'est comme ça. Je ne sais plus quel chemin j'ai pris au tout début. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'énerve déjà. Voilà, ça m'énerve déjà. Donc j'ai repris du soin, j'ai repris des noix IQ. Parce que c'est super important, les noix IQ.
Et maintenant, eh ben, on va être parti pour la deuxième moitié de ce donjon, possiblement. S'il est court, je rajouterai sur l'autre épisode. Donc du coup, je ferai un cut dégueulasse. Et puis, hey, salut, comment ça va MDR? Sinon, je fais plus de vidéos comme ça. Et puis voilà. Hein. Mais ce sont 62-0 des... Quoi? Ça m'énerve. Bon, Nina, ma petite Nina. Alors, voilà, tiens, vas-y. Mais voilà, il y en a un qui fuit en plus. Mais... Oh là, ça m'énerve. Tout ça pour ça? Oh là là, que c'est énervant. Un peu. Donc je suis allé, il me semble, en haut à droite. Alors ce chemin là par contre, c'est tendancieux. Je me suis refait la marque après coup. Je pense qu'on va rencontrer les mêmes ennemis qu'à la montée. Ce qui fait que bof. Je vais aller à gauche, tiens. Ah oui, je suis monté par là, j'ai vu un coffre, c'est vrai. Du coup, si je vais à droite, bah je me fais attaquer. Ok, ça c'est facile. Ouais, c'est très facile. S'il fait que écran, c'est simple. Ah oui, puis y a une nouvelle arme pour l'end, mais... Une arme qui ne fait que plus 7 d'attaque. C'est nul. Ah bah... Un diamant sbr. BR, qu'est-ce que ça peut être BR? Ah, d'étranges pouvoirs. D'accord. Mais encore. Traduction. Eh bah, ben, allez, vas-y, Nina. Ah, j'aurai tous mis des trucs. Et bah, tiens, vas-y. Prends. C'est le diamant sbr. C'est le souvenir de ta maman. Voilà. J'ai un diamant sbr. Non, j'aime pas quand ils sont quatre. C'est ma hantise. Pour ceux qui prennent maintenant, ces mobs sont ma hantise actuellement. Un seul coup critique et j'ai possiblement un mort dans mon équipe. Voilà. On passe de 93 à 203. L'écart, il est assez impressionnant. Moi je ne comprends pas. Et j'aimerais comprendre. Hein. Ce serait sympa. Bon, Ryu est mort. Ça me pose pas de problème parce que il y a un retard d'expérience pour tout le monde qui doit être pris. Voilà, par exemple, double level up. C'est très bien ça, double level up. Je vais quand même conserver la plupart de ma magie. Voilà. Pour espérer avoir un combat de boss décent. Je l'espère. Attaque surprise. Et bah salut. Je crois que c'est la première fois que j'ai un donjon en deux parties dans ce jeu.
Je ne sais plus si dans le premier il y avait ça déjà. Alors il y avait un donjon qu'on devait faire deux fois. Un aller-retour stupide en plus pour juste parler à une personne, à récupérer un objet puis remonter dans la tour. Alors ça, j'aime pas bien. Oh what? Oh what? Ok, c'est une énigme. Ok, c'est une énigme. Ok, je l'ai. Hop. Hop. Ouais. Hop. Ok, je vois. Alors, je vais avoir le coffre en premier. Hop. Hop. Et je me suis fait avoir. Bon bah reset hein. Ok. Je vois à peu près ce qu'il faut faire. C'est une énigme. Et je suis Keblo là ou C'est bloqué là. Ok. Ok. Je vois. Non, je vois. C'est pas compliqué. C'est juste que t'as perdu et bah tu descends. Ok. Donc là, ce qu'il faut faire. Il faut que j'aille à droite le plus possible. Donc. Je suis tombé. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Ça va être le moment un petit peu énigme. Parce que là, ce que je veux, dans un premier temps, c'est le coffre. Mais profitons de cette musique, qui est très belle. Donc. Ok, donc à droite. En haut. À droite. Oh, il y a encore un droite à faire. À droite. Ok, je l'ai. Ensuite, je fais en bas. En bas. Et en haut. Oh là là, quel génie. Pour un rouge HB, ça doit être un bâton ou un home. C'est une armure. Alors, cette armure qui va être utile à Nina en priorité. Oui, bah voilà, plus 3 de défense. C'est un début, tandis que 4... Tandis que 4 augmente sa défense bien comme il faut. Ok, donc ça, c'était la première phase. Là, par contre, il faut que je refasse la même en finissant par le haut. Mais pour atteindre vraiment au-dessus. Donc, faut que je fasse gauche, haut, droite, droite. Ah, ok, ah, mince, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, je crois. Ouais. Ouais, parce que si je vais à droite, je retourne à gauche et je suis bloqué. Et si je fais bas, haut, ça bloque. Et je dois être bloqué aussi. Je vais tenter. À moins que ce soit ça. Oh, c'est, ça c'est salaud. Très salaud, ça. Là, c'est déjà la fin. C'est la fin. Genre, le boss. Qui est-ce? Ouais, j'avance. Excusez-moi, attendez, je vais mettre land. J'espère obtenir quelques dialogues en plus. Je peux pas monter. Non, je peux pas. Oh, wow, wow, wow. Stop! Vous ne pouvez pas venir par là. Vous allez mourir. Ça m'a fait quoi? Ça m'a fait du dégât. Bien vu. Sauf que j'ai tout prévu. Frère. Ah bah, putain. Pas l'équipe. J'ai tout prévu. Ma magie m'en remettre un tout petit peu.
Voilà, j'ai tout prévu, TKT. Oh, oh, c'est beau. Oh là là. Oh wow. Qui est-ce? Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas des croyants de Saint-Eva, n'est-ce pas? Êtes-vous venu ici pour me tuer? Allez-vous me libérer de cet infâme équipement? Si vous n'êtes pas un croyant de Saint-Eva, s'il vous plaît, tuez-moi! Si vous ne vous dépêchez pas, il va se réveiller! J'ai un peu mélangé entre la voix méchante et la voix gentille. Oh non! Le système d'autodéfense s'est mis en route! Vite! Tuez-moi! Cette machine transmet mon énergie au démon! Si vous ne détruisez pas cette machine avec moi, un puissant démon va se réveiller! Je peux pas bouger, frère. Oh waouh! Pitié! Tuez-moi! Donc, je peux tuer le vieux. Je peux tuer le vieux. Qu'est-ce qui se passe si je tue le vieux? C'est une vraie question. Soin 3, ok. Pourquoi pas. Flamme 2, pour tout le monde, hein. Écoute, hein. Tout le monde prend. Allez, tout le monde. Ouais, bof. Aïe. Ça va, dégâts raisonnables. Comment ça va se... Ok. Est-ce que je dois vraiment tuer le vieux? J'hésite. Allez. Faisons une fin mauvaise. Voilà. Si la fin elle est mauvaise, Balek. Quête. Tu vas soigner. Tu vas soigner. Bah pas toi déjà. Ah si, tu vas te soigner. Ryu. Ah, y en a un qui soigne, un qui attaque. Yep. Y en a un qui soigne, un qui fait des sorts de feu, un qui fait des sorts de glace. Ok, je vois. Ok, ok. Donc il faudrait que je tue celui qui fait du son en premier. Est-ce que Kate va mourir? Yes. Heureusement qu'elle m'a soigné. Ah bah c'est un critique. Le Dragon Kaiser. Paf la pastèque. C'était vraiment très difficile. Je suis sûr que j'aurais pu ne pas tuer le vieux. Merci, je suis enfin libre. Je pense que nous avons empêché le réveil du démon, pour l'instant du moins. Je suis désolé, je ne vois rien. J'ai été connecté à cette machine pendant 10 ans. Pendant des années, j'ai changé les prières des croyants en énergie. J'ai été contraint de l'envoyer au démon. Ah. Vous inquiétez pas pour ça. Il n'y avait pas d'autres moyens. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, courez avant que cet endroit ne s'effondre. Eh ben... Non, Michel, viens avec moi. Dragon, protège l'entrée. Je vais rentrer à la maison. Mais viens avec moi, Connor. Mais il est con, cet homme-là. Bon, ok. Bon, bah... C'est toi qui l'as décidé, frère. Je me demande vraiment s'il n'y avait pas un autre moyen. Mais à ce moment-là, est-ce que ça aurait été pas un moyen un peu... complexe? Je ne saurais jamais ce qu'il y avait de l'autre côté, d'ailleurs, de la cellule.
Tiens, je vais tenter un truc. Comme ça. Non, non, il n'y a vraiment rien. C'est juste... Hey, on va faire ce design de salle. T'as vu? T'as vu? C'est marrant MDR, hein. T'as vu? T'as vu? On va quand même essayer de faire sortir tous les gens. Vous allez rester là. Mais cassez-vous, faites quelque chose. Non? D'accord. Bon, bah, les gens vont mourir en même temps. Oui, Oh là là, non, 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 me faites pas ça. Ah, oh, c'est moche ce qui se passe. Je ne saurais jamais ce qu'il y avait de l'autre côté. Ça se trouve, il y a quelque chose de bien. Ah, je fuis. La fuite. Je m'en vais, hein. Je laisse. Par contre, ce bruit commence à m'énerver un petit peu. Non, je tiens à le dire. Ok. Je peux pas y revenir et il y a sans doute plein de gens qui sont morts. Eh ben écoutez, je pense que ça va être la suite de la vidéo. Ça durait 20 minutes, je pense que c'est acceptable. Du coup, la vraie fin, c'est ici et maintenant. Hein. Ça aura duré 1h, 10-20 à peu près, c'est pas grave. Du coup, merci d'avoir regardé ce très long épisode dans ma compagnie, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, je vais faire vite, hein, j'ai déjà répété la dernière fois, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos qui sortent tous les mercredis à 15h30, de regarder les autres vidéos si c'est la première que vous voyez. Il y a plein d'autres vidéos qui sont sur la chaîne, notamment d'autres RPG, quelques petites vidéos adaptations, rétro, etc. De me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent, et de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si cela vous plaît. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Brief of Fire 2.